aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo séance, parce que oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo comme ça, une séance toute simple. Aujourd'hui c'est avec Morito qu'on va travailler. Morito c'est le petit dernier de la troupe, Morito c'est celui que vous connaissez le moins bien. Et voilà, j'avais envie de lui faire une vidéo qui soit 100% consacrée à lui. Aujourd'hui on va tenter un truc trop chouette qui me fait trop envie depuis plusieurs jours. Je pense que vous avez déjà dû voir sur internet des vidéos de chiens qui font ce jeu avec plusieurs gobelets où on cache une friandise sous un des gobelets, on mélange et on voit si le chien est capable de retrouver la friandise. C'est super drôle et super chouette à faire. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer avec une chèvre, voilà. Je pense que pour les chèvres c'est totalement faisable et j'ai trop hâte de voir comment Morito va se débrouiller dans ce petit jeu. Du coup, on va voir ça ensemble, on n'a vraiment jamais testé ça, donc j'imagine que vous allez le découvrir en même temps que moi. Je me rends pas encore trop compte de ce que les images vont donner. Mais en tout cas, moi je suis trop contente de cette petite séance. C'était trop chouette. Parce que dans l'ensemble, le défi est plutôt réussi. J'ai réussi à trouver dans quel verre était la friandise, même lorsqu'on avait 4 gobelets. Du coup, ça c'est trop chouette. Par contre, lorsqu'on les mélangeait, en général, il était perdu. Donc soit il cherchait là où la friandise était avant de mélanger, soit il cherchait dans un autre gobelet un peu au hasard. Enfin, on sentait qu'il essayait. Pas encore ça. Par contre, on a encore un gros travail à faire sur le respect de la friandise. Ça c'est déjà quelque chose que je savais un petit peu, mais là ce genre de petit jeu ça me le confirme. Donc on va travailler là-dessus. En tout cas je suis trop contente de lui pour une première séance de ce jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir la même chose avec Clochette du coup, parce que peut-être que ce serait totalement différent, on ne sait pas. En tout cas moi je pense définitivement qu'on va faire ce genre de petite séance un peu plus souvent, parce que c'est juste trop drôle et que j'ai trop envie de voir nos progrès là-dessus. Enfin en tout cas c'est progrès, parce que moi pour le coup c'est vraiment une séance où je fais pas grand chose.